Bene. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, non, je savais pas si continuer. On va travailler un peu ça, c'est très bien. C'est bien. Moi, je trouve globalement que t'es un peu fort dans la fugue. Je trouve que c'était parfois un peu... Alors peut-être c'est aussi ici, mais enfin, je trouve que tu pourrais enlever un peu de gras quand même. Alors, ton introduction, on est d'accord que c'est de l'orchestre. En plus, Bach, il nous aide un peu, il marque Symphonia. Symphonia. OK, donc... je pense que ça pourrait être plus orchestral, en gros. On y va ? Ecco. Déjà, ça va aider un peu. Tu baisses tes épaules, OK ? Alors, le début. Je pense que tu peux mettre en valeur un peu plus ton soprane et peut-être un peu moins tes accords, OK ? Oui, t'es sûr que tu veux l'arpéger comme ça ? Parce que je trouve que ça prend un peu de temps quand même. Je trouve que quand même, il y a une force dans ce premier accord que si tu fais... Je trouve qu'on perd un peu le... Hein ? It's a statement, comme on dit en anglais. Hein ? Donc c'est une sorte d'affirmation. Encore. C'est mieux là déjà parce que tu as respecté les silences. Ce qui est important c'est ti am ti tam ti ta ta ta. La tension qui va faire que tu vas couper ton accord et qui quelque part pour un chef, la coupure de l'accord, c'est déjà le signe pour le rythme pointé de commencer, tu comprends? Donc ça c'est important, c'est ça qui va donner la tension, la cambrure en fait de ce qui est quand même une ouverture à la française. Oui, oui, oui. On est d'accord ? Dai, encore. Hey ! Oui, c'est un peu raide dans le son. Tiram, tita, donne de l'espace, encore. Hey ! Mieux. Hey ! Hey ! Oui. Alors ça, c'est la fameuse... Rouvier, il en parle souvent, il a raison. Comment jouer trois fois la même note? Si tu me fais un peu ça. Il y a trois fois la bémol. Bon, donc c'est un piège. Il faut vraiment que tu le conduises, ça. Sinon, c'est un peu statique. Encore, c'est mieux déjà. Hey! Oui, sol, fa, sol, clair. Voilà. Fa, fa, sol, la, vas-y. Et. Mieux. Et. Et ça, c'est plus. Donc, ça veut dire qu'au début, tu ne dois pas être trop fort. Parce que pour moi, ça, c'est un événement plus important. Ok, donc ça veut dire que tu dois en garder un petit peu sous le pied, si j'ose dire, au début, pour que vraiment ici, cet accord-là soit plus marqué. Encore, début. Et. 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 Moi, je diminuerai pas ça. Pour moi, le changement de couleur, il est juste après. Oui. Donc... Et t'arrives ici, c'est pas pour le faire des... Et là, oui.
Ah oui, ici, il faut que tu trouves... L'intérêt de cette musique, c'est que tu as une espèce de rigidité, pratiquement, de l'ouverture. Ça, c'est extrêmement cambré, comme j'ai dit, etc. Et ça, c'est ça serpente. Et ça, tu dois écouter tes tenues, pareil, c'est ce que je dis à tes copains tout à l'heure. Chose. Pareil. Ok, donc toutes ces tenues-là, elles te donnent le drive, si j'ose dire. Refais-moi encore le sans sol, la si, sur l'accord avec le mi bémol. Baisse tes épaules. Et oui, ré, do, si, do, sol, la. Suis bien ta voix du milieu quand même. Do, si, do, sol, la. Et ça, je veux vraiment sentir que dans l'ouverture, c'est le premier mouvement où tout d'un coup j'ai un hautbois solo, par exemple. La, sol, la, ta, di. Fa, sol, la, ré. Ça, c'est un instrument seul. Du coup, ça doit être... on doit comprendre ça. Direct dessus, fa, sol, la. Oui, pourquoi tu dis mi, fa, sol, la, ré. Fa, sol, la, ré. Oui. Et je vais entendre le ré pendant que tu joues fa, fa, sol, sol. La, ré. Non. Toi, tu me joues. Si tu l'entends pas, on l'entendra pas non plus. Non, tu diminues. Fa, sol, la, ré. Il doit tenir en plus. Sur la pédale. Et ça. Ok. Toute cette ouverture, son paroxysme. Le but, c'était d'arriver à ça. Qui est une chose extraordinaire. Bon, moi, j'entends pas ça, hélas. Trop pâteux, ça. Coupe. Ok, je pense qu'on peut refaire tout ce début là. C'est pas encore conduit d'une manière. Solo. Tiens. Oui. Tu sais pourquoi tu le tues, ton truc? C'est parce que tu fais face. Tu fais fa, sol, la, ré, fa, fa, sol, sol.
Tu l'appuies trop. Si tu l'appuies trop, tu bouffes ta note qui tient. Fa, sol, la, ré, fa, fa, sol, sol. N'exagère pas le demi-temps. Ne l'appuie pas trop. Encore ? Fa, sol, la, ré. Et voilà. Oui, sauf que ton tri, très bien, mais moi le crescendo, je le veux plutôt à droite. Pas trop sur le tri, plus à droite. Fa, fa, sol, la, et moins. Attention à la pédale, tu me fais des pédales trop longues là. Là-dessus, juste avant ça. Oui. Tiens-le au doigt. Oui, non, et tu dois couper là. Oui. Attends, va, encore. Tom. Et donc, non, et coupe vraiment ici. Vas-y. Sol, la, si, do. Voilà. Retiens. Oui. Oui, ré doré. La, si. Ça doit être une libération. Mi, fa, encore. Mi, fa. Oui, ou ça, si tu veux. Sol, la, si, do, si. Sido. Résiste. Tu mets trop de pédales. On n'a pas besoin d'autant de pédales. Tiens. Et. Oui. Et ne ralentis pas trop. Mi, ré, do, ré. La, si. À la française. À la française, les ouvertures à la française, c'est que tu fais pas de vrai ritardando. Tu rallonges parfois les valeurs pointées. Et donc tu fais tin, tararam, tataram. Mais c'est pas un ritardando. C'est simplement que j'ai rallongé la valeur longue. Encore. Mi. Ré doré. Ouais, ça peut être mieux. Mi, encore ça. Mi, ré doré. Et tu mets trop de pédales là-dedans. Fais tout au doigt parce que, en fait, qu'est-ce que ça fait la pédale? Ça enlève du nerf au son. Du coup, ça donne quelque chose de plus, de moins nerveux. Ça, c'est encore une fois, il y a une cambrure des rythmes pointés, sinon tu mets à nu. Encore mi, mi, fa, ré, doré, là, si. Et. Oui, et je veux quand même entendre que ce qui est important. C'est ça que je veux entendre. Et. Mieux. Ok. Oui, et comment tu coupes aussi? Et oui, fais-moi un peu avant quand même. Et. Ré doré. Oui, tu peux le rallonger plus. Ré doré. Ré doré. Eh oui. Pas d'une corde, hein? Ouais. Tu vois, parfois, tu m'effaces les fins de phrase. Si, do, ré, si, sol. Si, do, ré, si, sol. Va au bout de tes phrases. Encore. Sol, do, ré, mi. Et attention, et je veux vraiment comprendre que fa, mi, ré, c'est notre voix et que c'est à la main gauche. Si do ré si sol fa mi ré sol fa mi ré do. Pas si do ré si sol fa mi ré, non. Encore sol do ré mi. Oui, excuse-moi, mais tu commences bien, t'articules bien au début, et à partir d'ici, ça ramollit. J'ai le son qui perd de son éclat. Il faut que ça soit timbré toujours. Sol do ré mi. Ça c'est vraiment de la musique de hautbois. Tu sais comment c'est un hautbois? T'as un son qui a une petite percussion quand même dans l'attaque. Pam, 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 pam. C'est extrêmement défini comme son, ok? Attention à ne pas me faire des petits gonflements. Si, do, ré, si, sol. Encore, sol, do. Oui, tu vois? Ça sera molli ici. Sol, sol, do, sol, fa, oui. Sol. Et. Oui, ça va un peu vite. Encore ça, do, sol, la, fa.
Oui, j'ai un peu ça. J'ai un peu. Oui. Oui, mieux. Non, tu fais un accent sur... Tu sais pourquoi parfois tu fais ça? Parce que tu n'utilises pas assez le transfert de poids, j'ai l'impression, ok? Encore? Do, sol, la, fa, sol, sol. Mais Timothée, il se passe tellement de choses dans cette musique. Et tu passes devant tout ça comme les touristes du musée du Louvre qui passent devant la Joconde. Je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, refais-moi encore l'andante. Sol, do, ré, mi. Non, déjà, rien que ça, regarde. Tu sais quoi? Moi, je trouve qu'on ne profite jamais assez de la musique quand on la joue. Donc, là aussi, c'est une question d'écoute, en fait. Très souvent, on joue plus vite qu'on l'entend. Il faut que tu joues à la vitesse de tes oreilles. Si tu joues plus vite que tu n'entends, nous, on va être frustrés. Encore, andante. J'ai besoin de plus de pulpe, en gros. Si je dois parler technique, là, à la main droite, j'ai besoin de plus de définition. Ici, là, c'est un tout petit peu mou. Pam, 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 pam. Encore. Oui. Et c'est mieux déjà. Oui, mais ton fa, il vient trop tôt. Sol, do, ré, mi, fa, mi, ré, dé, 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 dé. Encore. Oui. Non. Si, do, ré, si, sol, autre chose, ta, ti, dé. Mais c'était mieux déjà avant. C'était mieux. Do, ré, si, sol. Non. Pourquoi tu me fais un accent sur fa, mi, ré? Alors ça, c'est une chose, à mon avis, très importante. On a toujours parlé du swing chez Bach, et il y a du swing chez Bach. Et d'où il vient ce swing? De ce genre de son. Il suffit que tu vas trop tôt. Il faut juste que tu prennes un peu plus de temps, et là, la cambre rythmique, elle vient. Il suffit que ton temps, pendant la note muette, il arrive trop tôt, c'est fini. T'as plus cette espèce de... Refais-moi sol, fa, mi, ré, sol, fa, mi, ré, do aussi. Sol. Et, fa, un, si, la, do, si. Et. C'est plat parce que tu joues pas avec les contretemps et avec les harmonies. Donc je joue. C'est, en fait, les gens, ils ont tendance à... Remarque, même dans Mozart, c'était le cas. Ils ont tendance à croire que la musique baroque, c'est une musique égale. Ça, c'était un peu la faute, si j'ose dire, si je peux me permettre de juger un génie, ce que je ne suis pas, mais c'était un peu la faute de Glenn Gould. Il nous habituait à entendre Bach d'une manière qui est l'égalité presque automatique. Or, la musique baroque, elle est faite d'inégalités. Il faut trouver cette espèce
de choses comme ça un peu... Alors évidemment avec une vraie rigueur, mais il faut que tu arrives à trouver la liberté. Là, tu es encore trop prisonnier du cadre, en fait. Ok, on peut refaire ça, va mi ré do, si ré do. Tu vois? Donc... Vas-y. Si ré ré. Oui, mais il ne me faut pas une bend sur le ré. Encore? Tu sais ce qui serait très utile? Je veux pas me répéter, mais... Ça va mi ré do, si ré do, la ça va mi fa, ça la ça va mi fa, mi ré do, si la do, si ça va mi ré mi, va ça va mi ré. Tu devrais jouer ta main gauche et chanter ta main droite. Et là, je peux te le dire, tu vas avoir le bon drive. Encore, ça va mi ré do aussi. Eh? Tu veux le faire? Allez, Dai, fais pas le timide. Moi, j'ai chanté. À toi de chanter, Dai. Ça va mi ré do. Très bien, très bien, Timothée. Très bien, tu as eu beaucoup de courage et tu l'as bien fait. Mais tu vois, quand tu le chantes, la résistance que je te demande sur sa fa mi ré do si ré, tu l'as fait naturellement. Ça veut bien dire que quand dans ton corps, tu chantes une phrase et tu t'accompagnes en même temps, tu vas donner au chanteur, qui est toi en l'occurrence, le temps qu'il lui faut. Dès que ça sort de toi et que tu dois jouer, hein, on devient tous des couillons. C'est toujours comme ça. Refais, ça va mi ré do aussi. Et voilà. Et ben voilà. Là on y est. Là on y est. C'est pas ma faute, hein. J'ai rien inventé là. Hein. Donc l'idée c'est que tu peux pas le chanter au piano si tu sais pas le chanter toi en t'accompagnant. Ça marchera jamais. Fais-moi do si la so fa mi ré do si do. Oui, alors moi personnellement, do ré mi fa sol, do si do. Qu'est-ce que c'est? C'est la fête de la bière? Do ré mi fa sol, do si do. Pas de jumpy, hein. Oui, ramollis pas le rythme, hein. Eh oui. Eh oui. Eh oui, ça y est, tu l'as. Ok, maintenant tu l'as. Est-ce qu'il l'a? Ecco. C'est eux qui le disent, pas moi. Super. Alors, fais-moi juste ici, là. Ré, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec la transition. Oui, mais pareil, si tu me fais ré, mi, fa, sol, la, si, do, eh ben tu me téléphones la couleur d'après. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui. Eh oui, alors ça, pareil. Bach, quand même, souvent, je dirais que c'est comme Beethoven. C'est-à-dire que les oppositions de dynamique ne me font pas du piano dans le forte et du forte dans le piano. On n'est pas chez Mozart, chez Schubert, où parfois l'un s'interpénètre dans l'autre, etc. Non. Là, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu termines. Et tout d'un coup, sol, la, sol, fa, sol, la, si, autre chose. Ok, refais-moi ça. Mi, sol, fa, mi, fa, mi, ré, ré. Oui, coupe pas trop, coupe pas très trop court. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, la, sol. Ouais, ça peut être mieux ça. Refais. Mi, sol, fa, mi, fa, mi, ré, mi, ré. Fais juste avant. Ouais, c'est pas joli ça. Attends, je vais voir. Je diminue un peu ceci dit. Hein. Je suis capable, enfin je crois, quand je suis en forme, de faire un rubato à la main droite sans que ma main gauche bouge. Tu comprends? Ok? Mi, sa, fa, mi, fa, mi, ré, mi, ré. Non, c'est pas assez articulé. Mi, sol, fa, mi, fa, mi, ré. Oui. Est-ce que c'est obligé de couper à ce moment-là? Tu me fais ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sol.
so, on dirait un départ. C'est pas un départ, c'est un changement de couleur. Ok? Ré mi fa sol la si do. Naturel. Je trouve que c'est un peu trop. Ré mi fa sol la si do. Ça change pas assez la couleur, Timothée. Do ré mi fa sol la si do. Sol la sa fa sol la si ré mi. Je dirais même qu'en fait, c'est ici qu'on. Ici, on est vraiment. Parce que là, on reste en do mineur, si on regarde. Là aussi, c'est l'harmonie qui commande. On est toujours en do mineur. Et là, on sait qu'on est en mi bémol. OK? Donc, pareil, ces choses-là, si tu analyses harmoniquement ta partition, tu verras que donc, il y a une espèce de transition pour arriver au mi bémol et que donc, tu dois suivre ça avec ton oreille. Encore? Mi sol, fa, mi sol, fa, mi sol. Non, c'est trop court, c'est trop serré. Ré mi fa sol la si do. Mais pareil, tu me fais une référence, un peu comme notre ami avant avec la sonate de Mozart. Tu me mets un panneau. Et regardez, il y a autre chose maintenant. Non. Fais-le juste avec la couleur. Non. Et c'est sur le sol que la couleur doit changer quand même. Ré mi fa sol la si do. Pourquoi tu sépares autant? C'est un peu mieux. C'est pas encore ça. Encore. Allez, tu vas y arriver. Ça reste dans la même couleur pour moi. C'est autre chose. Encore. Mi sol fa mi fa mi ré mi ré. Et tu ramollis ton mi. Ré mi fa sol la si do. Pas d'histoire. Je pense aussi que tu mets un doigté bizarre parce que. Moi je mets une substitution pour pas avoir à couper. Parce que toi, tu fais un saut. Fais une substitution, sinon tu peux pas. Eh oui. C'est aussi une histoire de doigté, là. Et là, vous voudrez faire ça. Vous faire ça, là. Famille, Redo. Oui, et ça c'est typique une écriture de corde. Ta ta ti ta ti ta ti ta ti, c'est comme des bariolages. Moi, fa mi fa, fa mi fa, fa mi fa, ça m'intéresse pas trop. So fa mi fa si, fa mi fa la, fa mi fa so, fa mi fa fa. Ok, tout ce qui ne bouge pas et qui est répété, moins que ce qui change. Ok, refais-moi la section encore. So la, so fa, so la si. Chante. Baisse tes épaules. Tu vois, parfois tu me ramollis. Si la sa famille. Et non, c'est quand même une musique qui est toujours, je te dis, pense à un hautbois, qui est toujours quand même tendue rythmiquement. Bach. C'est une musique, si tu lui enlèves sa tension rythmique, quel que soit le type de mouvement, rapide, lent, tout ce que tu veux, etc., n'oubliez jamais que tout ça, de toute façon, souvent, il y a une idée quand même de danse et de quelque chose qui a une espèce de. La grandeur de Bach, c'est ça aussi. C'est une musique, on a l'impression, avec une espèce de moteur intérieur. Si tu commences à. Tu me le tues, le moteur. Hein? Refais-moi. C'est... Oh, ça va là, ça va, Miramis. Ah, oh, ça va là. Ça... Oui. Ouvre. Oui, là aussi, pourquoi tu me diminues? La si do si la sa fa sol. C'est ça l'aboutissement quelque part. La si do si la sa fa sol ré mi. Sol la si do ré. Oui. Oui. Eh oui, alors là. Alors là, mon ami, ça c'est important. Parce que là.
Il faut que cette chose-là, ça coupe le souffle à tout le monde et qu'on s'y attende pas. Ok, ça veut dire qu'avec le tempo, tu fais presque rien, mais tout avec la couleur. Et ça, tu chantes, ça, tu chantes ici. Fa mi ré do si la sol. Et ralentis pas, ralentis pas. Fa mi ré do si. Encore, fa mi ré do si. La sol, papa. Et non. Alors, il est où le point pivot de cette phrase, par exemple? Ça, c'est intéressant. Fa mi ré do si la sol, fa sol sol la. Jusqu'ici, il se passe rien. C'est où? C'est sur le si bémol. Donc, fa mi ré do si la sol, fa sol sol la. Donc c'est sur le si bémol qu'il faut être particulièrement sensible. Encore, fa mi ré do si. Pareil, le rythme do, ré, mi, do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ramollis pas le rythme. Ok, je pense que tu peux faire mieux encore avant. Refais-moi la couleur, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Tu sais quoi, c'est que si tu me le diminues trop, oui. Pareil, vous me passez des coups de fil, les amis. Vous jouez tous très bien, vous me passez des coups de fil dès qu'il y a un truc à savoir. J'ai pas envie d'un coup de fil. Ok, laissez-moi le découvrir tout seul, non? Donc... Ok, si tu me fais... Ah ben, j'ai déjà compris. J'ai même pas envie de connaître la fin de l'histoire, je sais déjà, tu m'as déjà raconté tout. C'est comment on dit aujourd'hui? Spoiler. Tu me spoil. Ah. Oui, t'es trop actif sur la main gauche. Sol, la, si, ça va trop vite. Encore, fa mi ré do si. Non, pourquoi tu me diminues la dernière? Fa mi ré. Non, ton la, il est pas dans le cadre. Tu me fais. Et non. Donc, ok, ton la il est hors cadre là. Non, pourquoi tu presses sur le la? Tu te précipites sur le la, Timothée. Eh oui! Merci. Merci, oui, oui. Voilà. Et pareil, j'ai donné comme conseil, hein, n'oubliez pas parfois de subdiviser vos notes dans votre tête. Fa mi ré do si, la sol, 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 la, la, si, fa sol, la, sol, fa mi ré, fa mi ré. Tous les chefs, ils vous le diront ça. On ne subdivise jamais assez dans notre tête. Sinon, on ne remplit pas les sons. On ne les remplit pas. Encore. Fa mi ré do si. Fa mi ré. C'est mieux. Do si la sol. Do ré mi ré do si la sol sol. Eh oui, et alors ça... Ton violoncelle, tout d'un coup, je veux qu'il me prenne la parole, là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Eh non. Timothée, il prend la parole trop tard. Dès le début. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu sais, Bach, quand il te met le doigt dessus, t'as pas le choix, hein. C'est pas, ah oui, peut-être, non. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, 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 ré, mi, fa, sol, la, si, do. Fa, mi, ré, si, do. Oui, pareil. Les petits jumpy, non. Non, j'aime pas. La, do, si. À la corde. Ré, sol, ré, do, la, do, si. Oui, alors ta cadence, elle pourrait être plus... Si, la, sol, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, ré, do, mi, ré, sol, fa, mi, ré, do, si, la, si, ré, si, sol, do. Chante-la avant de la jouer. Oui, alors déjà, moi je trouve que ton tri est tellement long, et en plus t'attends après.
Je trouve qu'au niveau des proportions, ça devient trop long, ton histoire. Alors, si tu fais un tri long, mais alors pars après. Ou alors sinon, tu fais un tri plus court et t'attends après. Mais tu dois choisir. Do, la, do, si. Oui, il y a juste une chose que tu chantes pas assez, à mon avis. Parce que, ça. Hein, ça, j'ai besoin de cet intervalle de quarte. Ré, sol, fa, mi, ré, do, si, la, si. Oui. Oui, et saute pas. Fais les quasi legato, ça. Sol, si. Ok, do, si, la, si, do. Pareil, si tu sautes ici, ne faites pas des tranches, hein. Do, si, la, si, do, la, si. Oui. Et vas-y. Pas trop vite. Tate, 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 titi, tate, 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 tate. Pareil, ici. Sol, la, si, si, do, do, ré, ré, subdivise. Tate, tate, tite, tadi, tadi, tate, tate. Oui. Oui, c'est bien. Tate, tite, tate, tate. Poignée. Oui. Ça tu, si tu me fais avec le poignet raide, ça rebondira jamais. Hein? Pas vraiment. Pap, 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 pap. Do, ré, mi, fa. T'écoutes pas ton thème à gauche. Il faut que t'écoutes jusqu'ici ton thème. Ouais. Encore sur l'entrée du deuxième thème. Tadi 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 mi fa sol la si la sol la si do ré sol si mi sol do do si la sol la. Pareil. Et donc on est d'accord que ça c'est comme dans l'entente juste avant. Hein, il joue de nouveau avec ses notes liées, etc. Et donc le drive, pareil. Fa sol la, a sol fa mi ré do ré fa mi fa sol fa, pas trop tôt. Et sol la si do ré mi. Alors très très important dans cette musique, il faut absolument séparer. Si tu veux. Non, mi ré do si là, t'as besoin d'un petit coma avant, sinon on n'a pas la polyphonie claire. Non? Oui. Oui, t'as compris? Do di do, ti da di da da. Chut. Et ça, tu dois vraiment changer la couleur ici. C'est là, c'est là, si, do ré mi. Hein? Non, change la couleur. Chut, change la couleur. Ouais, et ne fais pas de crescendo. Refais-moi ça, si la sol la si do ré mi fa. Si la sol la si. Oui, tu dois vraiment changer beaucoup plus la couleur. Ok, je me souviens mieux. Ça doit vraiment être différent, ça. C'est du divertissement, tout ça. Oui, ça, pour le coup, tu dois séparer plus. Juste avant, fa, mi, ré, do, si, fa, do, c'est trop mélangé. Encore? Tu peux pas me le faire plus piano? Ouais, mais me le téléphone pas. Tu me fais un diminué. Je veux pas de diminuendo. Oui. Et là, sauf à mi fa sol. Et de nouveau, sauf à mi fa sol. Et ça forte. Hein? Capito? Ouais. Redo si. Non, tu me fais un diminuendo.
vraiment. Oui, ça va, mi fa sol la si do. Respiano. Le rythme. Ramollis pas. Pareil, Timothée. Si do ré, do si la sol fa sol si la. Tu dois couper. Ouais, sinon on n'a pas l'articulation. Si do ré. Oui, c'est bon? Continue. Oui. Ramollis pas le rythme. Mi fa mi do mi la sol ré mi fa ré si ré sol fa. Oui. Et j'aimerais comprendre ouais. Ici donc si la sol la si. Tout ça est trop pâteux. Tu dois articuler plus et jouer un peu moins fort. Oui. Moi, j'aurais dit que le point culminant ouais. Était là, en fait. Ouais. Donc moi, je suis pas d'accord avec ta dynamique. Je pense que tu es trop fort avant et tu dois arriver ici comme une culmination, quoi. C'est une sorte de péroraison, ça, quand même. Fais-moi avant la progression. Oui, sois pas dur sur ton sol aigu et me joue pas les basses trop lourdes. Encore. Oui, oui. Et vas-y. Pourquoi tu me diminues? Tu me donnes le truc et tu me l'enlèves. Reste, si j'en ai dans le dos, reste. Si do ré mi ré do ré mi. Et vas-y. Fa sol la ré fa si ré sol sol fa mi ré mi do do. Oui, et là on revient à l'ouverture la française pratiquement donc c'est quoi les notes? On revient au rythme pointé du début. Refais-moi ça, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, la. Fa, si. Vas-y. Fa, sol, la. Et oui, alors ici tu sépares bien, mais après, tempo, dodo, ensemble. Sauf à mi, ré, mi. Et non, me fais pas. Surtout jamais ça. Le rythme pointé, t'y touches pas. Dodo. Voilà, ré, fa, si, ré, mi, dodo. Et, par contre, ça, c'est trop tôt. Et l'ornement sur le temps. Et ça, tu peux rallonger. Papam. Comme je t'ai dit, tu ralentis pas. C'est bon, tu rallonges la croche pointée. Encore. Sauf à mi ré mi. Ouais, ça peut être mieux ça. Donc. Tu peux prendre ce temps-là. Donc. Bene, bravo.